Je m'appelle Isolte Digan, alias Eyes, et je suis artiste street art. Aujourd'hui, on est en train de préparer le mur qui recevra mon interprétation de la Marianne, qui illustrera le timbre d'usage courant 2018. Quand il a été question d'organiser le dévoilement, l'idée de réaliser une fresque semblait évidente. Le street art est le mouvement artistique le plus important du XXIe siècle. C'est une belle manière de le démocratiser et de favoriser l'art dans l'espace public. Le street art propose une démultiplication des regards, il offre une passerelle accessible et populaire vers la culture. C'est donc dans le quartier du Toulon, à Périgueux, là où se trouve l'imprimerie de La Poste, que nous avons sélectionné le mur de la Marianne. Rapidement, j'ai été à la rencontre des habitants du quartier pour échanger avec eux. Il était vraiment nécessaire de créer du lien, car ce qu'ils retiendront de cette Marianne, finalement, c'est aussi notre passage dans le quartier. J'ai trouvé l'exercice de l'interprétation de la Marianne assez complexe, car je voulais dépasser l'intention purement esthétique pour transmettre un message. Je voulais faire porter à cette Marianne toutes mes convictions quant à la représentation que je me faisais de la République française et de ses valeurs. Je la voulais forte, fière, volontaire, avec un regard franc qui porte loin et qui porte vers l'avenir. Je la voulais aussi contemporaine, mais en même temps intemporelle, ancrée dans son patrimoine et dans son histoire. Et c'est comme cela qu'est née Marianne l'Engagée. Cet engagement dans lequel je situe cette Marianne, il est constructif, il est solidaire, il est altruiste. Il n'est pas celui dont on accuse l'autre de manquer, il ne tombe pas du ciel. Il est celui qui nous ressemble et nous rassemble, celui dont chacun peut s'enorgueillir parce qu'il en est moteur. La place de la femme est encore trop effacée, fragile, vulnérable, dépendante de son apparence. Et notre République doit s'engager contre ce recul sexiste des libertés, contre ces discriminations d'un autre âge. Car il ne suffit pas d'avoir une femme symbole de liberté en République pour avoir une République féministe.